Nous sommes venus dans le domaine de l'investissement. Actuellement, le Congo est une grande opportunité pour le monde, ainsi qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de se diriger vers notre nation à cause du climat des affaires qui est favorable. C'est ainsi que nous avons amené un partenaire potentiel afin de pouvoir accompagner le gouvernement dans le domaine des mines ainsi que dans le domaine de l'énergie. Nous voulons nous impliquer aussi dans le renforcement des capacités du projet de Inga, ainsi que pour le port de Banana, aussi investir dans l'augmentation de la capacité d'énergie dans la zone minière, particulièrement au Katanga, ainsi voir comment sur l'étendue de la République, comment est-ce que nous pouvons subvenir aux besoins de l'énergie. Et aussi, quelque chose qui nous intéresse, c'est la transformation du gaz au niveau du lac Kivu et aussi être dans les infrastructures. C'est ainsi que nous avons amené le chairman de DNG, qui est l'une des grandes sociétés en Afrique, qui est plantée déjà dans des grands projets au Ghana, au Nigeria, au Mozambique et basée en Afrique du Sud. En fait, nous ne sommes pas à commencer, comme disait le chairman, nous ne sommes pas à commencer demain. Le plus grand problème que nous attendons une bonne facilitation, et c'est ce que le Premier ministre nous a accordé, qui a disposé une bonne équipe afin de nous accompagner dans la réalisation de notre agenda. Et déjà de demain, nous sommes dans le Katanga pour voir la faisabilité afin de répondre aux problèmes d'énergie avec les mining. Et je crois que sous l'impulsion du chef du gouvernement, nous serons dans des bonnes mains afin de réaliser le programme que nous avons pour le Congo. L'impression a été très bonne et je crois que le chairman a insisté cela. Nous sommes très épatés par l'hospitalité et aussi par la diligence avec laquelle le chef du gouvernement a conduit cette séance de travail que nous avons eue ce soir. Et nous escomptons des résultats favorables et nous espérons que dans les prochains jours à venir, nous viendrons pour présenter le travail bâti sur la République.